gérer les critiques au football? Sujet très facile et très complexe à la fois. Il n'y a qu'une seule règle qui prédomine. Donc déjà, on va commencer par ce qu'il ne faut pas du tout faire. Ce qu'il ne faut pas du tout faire, c'est de pas d'écouter le bruit ambiant. Ça s'appelle le bruit ambiant. C'est même pas des critiques, c'est le bruit ambiant, c'est du bruit. Chacun a son avis, et l'une des tares du XXIe siècle, c'est qu'on commence à donner l'avis à tout le monde. Je pense pas que ça soit une très bonne chose, mais enfin bref. Je dis pas de vous en foutre des avis des gens, je dis de carrément ne pas les écouter. Parce que s'en foutre, ça veut dire déjà de les avoir écoutés. Non, moi je veux déjà qu'on stoppe plus haut encore si on les écoute pas. Il y a une chose qui est encore pire que d'écouter l'avis des gens, c'est de s'évaluer soi-même. Il n'y a rien de pire que de s'évaluer soi-même. Les plus grands virtuoses, les plus grands joueurs d'échecs, les plus grands joueurs de football, même si ils ont atteint l'excellence dans leur domaine, ils ne s'évaluent jamais, jamais. C'est encore pire que d'écouter la critique des gens. En fait, il n'y a qu'une seule règle qui prédomine, c'est la règle de l'advisor. Toute personne excellente dans le monde, ils marchent tous de la même manière. C'est qu'ils choisissent dans leur entourage ou dans le monde une à trois personnes qui vont prendre comme référence en termes de critique. Et le fait de prendre en référence trois personnes qu'ils ont jugées, qu'ils ont choisies eux-mêmes, ces personnes-là, on appelle ça des advisors. Ils appellent ça des advisors, ça peut être dans le monde du sport, ça peut être dans le monde du business, ça peut être dans tous les domaines. Vous pouvez avoir un advisor sur chaque domaine de votre vie. Dans le football, il faut que vous choisissiez de 1 à 3 advisors. Et vraiment, ça va être votre référence. Votre jugement à vous-même, vous n'allez pas l'écouter. Le jugement des autres gens, vous n'allez pas les écouter. Par contre, le jugement de vos advisors, vous allez les écouter à la lettre. C'est la raison pour laquelle il faut vraiment, vraiment bien choisir vos advisors. L'erreur commune qu'on voit chez les gens qui viennent juste de prendre conscience de cette règle des advisors, c'est que dans la seconde qui suit, ils ont déjà trouvé leur référent. Non, on peut rester 10 ans, 5 ans, 4 ans sans advisor, parce qu'on n'a pas trouvé le bon. C'est des gens qui, vraiment, on peut mettre 10 ans à trouver. Pendant 10 ans, on écoute le bruit ambiant, et puis d'un coup, on dit « Ah lui, tiens, c'est pas con ce qu'il est en train de dire là. Il peut peut-être me juger. » Et je vais le prendre comme référent. Et ça peut durer 5 ans, etc. Et si ça dure autant de nombre d'années, et bah essayez de prendre sur vous, essayez de pas de vous juger vous-même, essayez de prendre sur vous jusqu'à en trouver un. Si vous en avez déjà trouvé un, grand bien vous en fasse. Mais voilà, trouvez-vous un à trois advisors qui va dire si ce que vous êtes en train de faire c'est bien ou si c'est de la merde. Si vous vous dites que si c'est de la merde, prenez en compte que c'est de la merde. Si vous dites que c'est bien, prenant en compte que c'est bien, même si 99% de la population restante vous dit le contraire. C'est la seule manière pour vous de gérer les critiques. C'est ce que je vais essayer de faire là avec les gens qui me suivent, avec la liste des clients uniques. C'est des gens que je suis au quotidien. Même moi, je ne me permets pas de les juger. Je les incite à trouver des advisors de leur côté. Même moi, je ne me sens pas capable d'être l'advisor de chacun. Donc, trouvez-vous un à trois advisors. Arrêtez de vous juger, arrêtez d'écouter les critiques et n'écoutez que les critiques de vos advisors. Si vous êtes intéressé pour intégrer justement cette liste des clients uniques et recevoir cet accompagnement au jour le jour, tout au long de l'année, pour atteindre vos objectifs dans le football, j'ai une vidéo juste en dessous et je vous laisse regarder ça.